Also Tannenbaum bedeutet mir extrem viel, schon seit das Leben lang ist es ein wichtiger Bestandteil von der Vorweihnachtszeit. Der schönste Tannenbaum, der ist in New York vor dem Rockefeller Center. Und was gar nicht darf sein, der Tannenbaum aus Plastik. Es gibt nichts Hässlicheres als ein Plastik-Tannenbaum. Und das Elefantchen da, das ist symbolisch für mein cooles Sportteam. In diesem Sinn wünsche ich euch allen schöne Weihnachten, frohe Festtage und ein gutes Neues. Pour moi, le sapin de Noël, c'est la mission de fin d'année, c'est-à-dire aller le couper dans la forêt sans se faire choper par le garde forestier. Alors j'espère que vous avez tous réussi votre mission et je vous souhaite un joyeux Noël. Für mich der Tannenbaum bedeutet Familie, zusammen sein für die Weihnachten, den zusammen schmücken und Plastik-Tannenbaum, kleine Anekdote da dazu, das Ostrava auf dem Weihnachtsmärit, ein riesen Tannenbaum, aber eben aus Plastik, ein bisschen schwache Angelegenheit. Bei uns daheim ist er ganz sicher nicht aus Plastik, ich hoffe bei euch auch noch nicht. Ich wünsche ganz frohe Weihnachten, schöne Festtage und ein gutes Neues. Clap. Bonjour Mike Noël. Bonjour Rio Noël. Bon. Tu t'es en guirlande avec qui cette année? Oh bah quand tu vois la quantité de guirlande que j'ai sur moi, au bois avec tous nos auditeurs, tous nos directeurs et tous nos gentils collègues. Il est un peu frisqué cet hiver, hein? Ouais, tu avec ce brouillard aussi, et tout, je trouve qu'on se les caille un peu. Hein. Ouais bah toi t'as une sacrée tenue hivernale, hein, j'ai encore jamais vu ça. Hein. Ah bah c'est peut-être pour ça. Ouais, ouais moi j'aimerais bien une doudoune avec... un peu une climatisation dessous, si je peux demander ça à Papa Noël. Ah bah si. Dans le studio, à tous les spots braqués sur nous, il faut au moins 50 degrés là. Si Papa Noël peut juste m'offrir une doudoune, je serais content, même si elle n'est pas climatisée. Ouais. En tout cas, bonne fête à tous. Joyeux Noël et bonne année. Au revoir. Merci. Bon coup. Vous êtes super. Yannick. Une boule de Noël, tu te souviens de la première fois où t'as mis ta boule de Noël? Ja, das ist schon lange her. Da bin ich etwa 3, als ich die erste Weihnachtskugel an Weihnachtsbaum gekriegt habe. Und ich muss sagen, das war eine schöne Erinnerung. Und du? Un moment magique. Un moment qu'on n'oubliera jamais. Magic moment. Definitiv. Und man sieht, es geht sogar so weit, dass sie sich sogar müssen Kugeln an die Tore tun. Für mich ist die Weihnachten eines der schönsten Feste. Da hat es überall Lichter, in den Strassen oder an den Einkaufsgeschäften oder an den Geländern und auch an den Bäumen und jetzt dieses Jahr sogar noch an mir. Ich glaube, Weihnachten 2016 ist auch die schönste von all meinen Weihnachten und ich hoffe für euch auch. Et au-delà de ces magnifiques lumières dont parle Yves, effectivement, illuminez aussi vos cœurs en cette fin d'année, laissez parler votre générosité. Donner est plus important que de recevoir. Joyeux Noël. Weihnachten. Bonjour tout le monde, oui. Bonjour Amaëlle. Bonjour Caroline. Oui, alors moi je voulais parler des cadeaux parce que on essaye un petit peu de remettre au goût du jour l'idée d'offrir du seconde main. Que c'est pas ringard, que c'est pas sale, que c'est pas nul, que c'est pas radin. Ça peut être un objet qu'on a beaucoup aimé ou un livre ou moi j'ai des enfants petits. Qu'on a détesté. Qu'on a détesté. T'es mauvaise. Moi côté cadeau, ben, je l'ai fait moi-même. C'est une manière pas forcément d'avoir du seconde main mais de respecter les produits que je vais chercher, que je vais créer, que je vais cueillir et que je transforme, tout comme mon sapin de Noël d'ailleurs, j'ai fait avec du bois flotté. Donc l'idée c'est de trouver des choses à droite à gauche et puis d'en faire un cadeau. Et c'est pas parce qu'on vous semble un petit peu moralisatrice comme ça qu'on est des vieilles. Enfin oui, je suis vieille. Des vieux dragons et des vieilles harpies. Et on vous souhaite un magnifique Noël et surtout d'avoir du temps à partager ensemble. C'est ça le plus important. Liebe Thierry, liebe Leute, für mich ist der Weihnachtsstern halt so ein Leitbild sein, ein Leitstern, der uns führt im nächsten Jahr. In mildere Gewässer, in ruhigere Zeiten, wenn es geht. Nicht nur für das Unternehmen, nicht nur für uns persönlich, aber auch vielleicht für den ganzen Kanton Freiburg und die ganze Welt. C'est bien dit. Et puis c'est aussi une étoile qui finalement nous rassemble. Elle est totalement bilingue, hein. Elle parle les deux langues.
qui est Deutsch. Ben oui. Et là, c'est français. C'est français, voilà. Französisch. Ben, surtout, moi, j'espère que cette étoile, elle étende encore son pouvoir sur l'ensemble de la planète et qu'elle permette à chacun, à tout un chacun, finalement, de vivre en communauté avec, avec son voisin, quel qu'il soit, etc. Bref, une étoile qui nous apporte un petit peu d'espoir aussi hein, dans ce monde un peu difficile. Mais enfin, si on suit l'étoile, si on suit le guide, finalement, le guide que représente cette étoile, on s'en va vers la lumière et on s'en va vers des choses bien meilleures, vers l'amour, etc. Et je pense que soyons focalisés sur cette étoile pour qu'elle soit notre guide en 2017. Und ganz wichtig auch, Friede. Friede, la paix pour Absolument. Nous, pour le monde, pour tout le monde. La paix, la joie et la bonne humeur. Und viel Spaß. Ja, viel Spaß. Joyeux Noël. Happy Christmas. Joyeux Noël. Frohe Weihnacht. Soyez heureux. Seien glücklich. Aimez-vous les uns les autres. Liebe uns alle zusammen. Exactement. Et joyeux Noël et bonne année 2017. Ein gutes neues, gute Festtag. Alors Josiane, les biscuits de Noël, ça t'inspire quoi? Ça, es gibt mir sehr gute Erinnerungen, gute Düfte, wenn wir mit meiner Mama und meiner Geschwister den Biscuit gemacht haben, das so gut duftet und das war schon ein vorweihnachtliches Gefühl, das wunderbar war. Und du, Melanie, was bringt dir das? Ah, moi, c'est aussi plein de souvenirs quand j'étais petite avec ma grand-maman, avec ma maman. Et puis maintenant, bah, j'ai la chance de pouvoir faire les biscuits de Noël avec mes enfants, qui est aussi super sympa. Ja, das habe ich mit meinen Kindern auch gemacht, aber meine Jungs, die sind immer gegen den Vogel gesprungen, wenn es nicht zu langweilig ist mit der Zeit. Oui, avec le garçon, c'est un peu pareil. Schwieriger, gell? Schwieriger. Ja, es ist nicht einfach. Aber trotzdem haben sie immer wieder gern gegessen, die guten Gutzeln. Ah, ça c'est sûr. Tout le monde est toujours content de recevoir et de pouvoir manger des bons biscuits de Noël. Ja, machen wir heute immer auch noch. Wenn uns alle Angestellten ab und zu ein paar Biscuits bringen, ist es so wunderbar. Exactement. Tout à fait d'accord.